Yep, salut tout le monde, comment ça va la forme? Bon allez, partie 2. Bon, allez, je balance vite fait, hein, Instagram, le mien, scoumibrab518. Voilà, hein, pour ceux qui veulent un peu suivre 2-3 choses. Hein. Bon, par contre, ça reste gentil, hein. Il y a un peu de motocross freestyle, la mini, 2-3 photos de mécanique. De temps en temps, quand je suis sur des événements de moto, je prends un petit peu d'images et ça s'arrête là. Hein. Je prends pas mes pattes en photo, je prends pas ma gueule en photo, voilà, enfin, je me prends pas aux chiottes. Enfin voilà quoi, ça reste vraiment gentil. Donc si vous voulez m'accepter, allez, je fais. D'ailleurs, il y en a plein, il y en a plein, ça commence vraiment à être sympa là. Bon, enfin bon, bref, allez, on va arrêter de raconter là, sa vie. Bon, comme je disais, partie 2. Partie 2 sur le 125YZ, on va faire les joints SPI. Et avant, vite fait, hein. Donc si vous voulez bénéficier d'un code promo, donc sur fxmotors.fr, donc mon code promo, SCOOMIFX, voilà, 10%, dès 150 € d'achat, à 120 € les frais de port sont gratuits. Voilà, mobilisez-vous à plusieurs ou voilà, ou si vous avez une grosse commande à faire. Donc voilà, et aussi si vous aimez bien les confiseries, la décoration américaine, vintage et compagnie. Donc mon pote Greg, uswayoflife.fr, donc moins 10% avec le code promo SCOOMIUS. Bim, voilà. Et puis allez, c'est parti. Bon, allez, joint SPI. Donc, joint SPI, allez, on attaque. Je suis en train d'y penser en fait. Maintenant que j'y pense, tant qu'à faire, on y va y mettre propre. Pour ce que ça coûte, ouais, allez, on va faire ça. Donc, ouais, donc on va faire joint SPI, mais on va faire aussi les roulements de colonne. Ouais, vas-y, on va faire ça là, on y met tout à poil. Allez, hop, c'est parti. Bon, je tiens à préciser le truc, hein. Ouais, je ne suis pas un mécanicien professionnel ou un super mécano, hein. Moi, je suis pur amateur, comme beaucoup de monde. À la moto, bah oui, il faut la reprendre la moto. Voilà, donc pour faire la fourche, hein, il faudra que vous vous équipez d'un minimum de matos. Hein. Donc voilà, deux clés. Ça, c'est des clés bah, voilà, de la marque Scar. Hein. Voilà, tac. Dispo, bah, comme d'hab, vous savez, sur fxmotors.fr. Voilà, un tournevis pour les clics. Bah, il y a déjà la fourche là, sur cette clé. Non, ça, c'est vraiment sympa. Et donc il faudra aussi une douille, deux trois petites choses. Mais bon, vraiment le plus important quoi, c'est d'avoir ce matos là. Là, et vous verrez à quoi ça va servir. Donc cette clé là, en fait, on peut s'en servir direct. Donc si des fois, on sait jamais. Si des fois, par exemple, donc faut pas y serrer trop fort ça. Mais si des fois ça a été serré trop fort, donc c'est un coup à ce que vous pinaillez quand vous allez le mettre un peu dans l'étau et tout. Donc tant que le bâton est serré dans les pontés, donc inférieur et supérieur, et bah faut faire un essai quoi. Vous essayez de le dévisser et puis vous regardez où c'est que ça en est quoi. Et ça vous donnera bien une idée du truc quoi. Voilà, comme moi je fais bien de le faire quoi, parce que du coup ouais, j'aurais galéré tout à l'heure. Hop. Ouais, parce que normalement ça sert vraiment, faut vraiment pas faire le bourrin quoi. Et bon, vu que je sais pas trop comment ça s'est passé, bah, l'histoire de cette moto, je pourrais la raconter. Hein. L'histoire de cette moto, c'est simplement que c'était une ancienne que j'avais en fait. Et c'était pas un 2009, c'est un 2010. D'ailleurs, j'avais dit une bêtise dans la partie 1. Et du coup, ben le gars qui l'avait, il s'en est pas occupé. Pas occupé du tout et tout, donc bon, bon niveau moteur, je sais ce que j'avais fait. Il en a pas fait beaucoup non plus, pourtant il l'a gardé 4 ans, mais il en a pas fait beaucoup. Mais niveau moteur, je sais ce que j'avais fait, et je peux encore faire un petit peu. Mais on fera un gros tuto moteur là, on fera un bon conditionnement moteur aussi là
un petit peu plus tard. Mais là, ça peut faire encore un peu, vu qu'il y avait le compteur d'heure, je sais où c'est que ça en est, piston et compagnie, quoi. Voilà. Bon, alors par contre, ce qu'il y a. Vais-je galérer ou pas? Non, ça va. Bon, avant d'attaquer le démontage, on va se mettre sur soft à fond, donc en compression. Donc vous comptez vos clics et vous les noterez sur un bout de papier, sur quoi que ce soit, pour pouvoir remettre vos réglages que vous avez avant le démontage. Donc tout sur soft en compression et détente. Donc en compression, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il y a une butée là, il faut revenir un tout petit peu avant qu'on sente le cran. Donc 9 en compression. J'ai pris comme un chien. Et après, en détente. Que mangent les joueurs de tennis? Ça mange de tout ou la réputation de dire il faut manger des pâtes? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, vous n'allez pas en buter, vous revenez juste avant, vous sentirez le cran, quoi. 11, dette, voilà. Allez, feu. Oui, aussi, ce que j'avais oublié de préciser, hein, si vous voulez, il y a aussi un kit, là, bah, toujours sur fxmotors.fr, donc pour pouvoir faire en fait tous les diamètres de fourche, il est vraiment complet, ça c'est sympa, et si vous voulez pas mettre bon, de sous là-dedans, hein, parce que vous les faites pas souvent, comme ça, et ben, vous pouvez filouter avec un tube en PVC, du diamètre coupé en deux, ça fait pareil, voilà, si vous êtes un petit peu débrouillard, il y a moyen de faire quelque chose de correct et puis de bosser comme ça, pareil, hein, c'est pas le souci. Hein. Bon allez, on va défaire donc le haut. On va vidanger mes fourreaux. Si vous n'allez pas là, on peut célébrer aussi aujourd'hui le 64e anniversaire du couronnement de la Reine d'Angleterre. Moi, je redis tac. C'était un moment que j'avais pas dit. Le Marquis de Sade. Il me fascine par sa conception de la tendresse. Oui, ce cher Marquis a marqué mon adolescence par ses récits plus brefs. Bon, voilà. Hey, le bordel, hein. Ouais, ça, c'est un tuto que j'ai en attente, hein, parce que messieurs de chez KTM, chez Vert, chez moi, ils mettent 2 heures à rien faire. Bref. Bon, allez, on désassemble. Donc, alors là, ce qu'il va falloir faire, il va falloir comprimer et la fourche que je vous ai fait voir tout à l'heure, elle va avoir une importance. Voilà, hop. Et putain, par contre, il faut bien forcer, les copains. Et moi, vu que j'ai encore un peu mal au dos, je mettais la télévertèbre. Voilà. Donc, après, on va prendre le plat, là, ici. Donc, les plates, on va desserrer, là, l'ensemble. Carnet de campagne, bonjour. Le dernier carnet de la semaine se partage, comme hier, entre des initiatives du département de la Manche. Avec une grande actrice qui a comme compagnon un ingénieur du son qui est au chômage. Et ces deux personnes, c'est ce couple qui va se. 12 travails de collectage de mémoire. Voilà, on a tout fait sauter. Maintenant, on va tout faire venir. Donc il y aura le bushing, le ressort. C'est très important qu'ils nous le transmettent et qu'on puisse le transmettre aux nouvelles générations. Mais ont-ils vraiment envie tous de le transmettre et de le partager? Voilà. Bon, la petite tige là. Elle est super fragile, hein. Donc faites attention. Le ressort. Un bushing. C'est quoi l'avenir de la principale île? Maintenant, on va accéder à la deuxième cartouche. Donner le transport de mains de pièces d'art contemporain dans les lieux publics pour se poser enfin dans un cube. Le cube, un vrai au mur blanc de 5 mètres sur 5, un ancien pressoir qui avait perdu son jus. Loin encore une fois des décideurs dans un lieu dit les bouillons,
à Orval-sur-Sienne, d'où l'idée de Bouillon Cube. L'initiateur s'appelle André, on n'en sait pas plus sur son identité, mais peu importe. Seule chose certaine, c'est que le dit pressoir fut son atelier d'artiste. Ouvert les dimanches, le cube peut aussi se visiter à d'autres périodes de la semaine sur demande. C'est une démarche unitaire et convaincante à cet endroit. On vide l'autre cartouche. Il y a un lieu. Généreux et professionnalisant. On a toutes les qualités dans cette démarche entre Altigo et Sant'Egidio. Vous allez avoir les liens évidemment avec les associations à nos pages d'émission. Merci beaucoup Vincent. Merci Philippe. On défait l'écrou là de la tige pour pouvoir tout désassembler. Continuez, merci. Depuis hier, nous avons reçu beaucoup de commentaires. Voilà, faut taper un petit peu, tapoter pour que ça vienne. En nous remerciant au passage de traiter de ce dossier, exemple aujourd'hui, hier, dans la Manche. Oui, j'ai un établi beaucoup plus grand, moi, ça serait bien. Cherbourg, la presse de la Manche. Ok, bon, pour ça, c'est désassemblé. On met toutes les pièces, là, avant de s'occuper du remontage. Et aussi un petit coup de nettoyage, là, bon, je voulais y mettre un bien propre sur ma table que j'ai derrière, mais bon, vu que voilà, ça traîne et que j'ai du bordel partout. Je pense qu'on met du flouze, oui. Allô ? Qu'est-ce qu'il dit ? Et ça va ? Eh ben moi, je suis en pleine tuto fourche. Je fais la fourche du 125. Donc là, on enlève le cache poussière. La fourche du 125. Ça va être prêt pour ce week-end. Oh oui, mamie. Putain, on fait des découvertes. Oh, ce gros dégueulasse, là, vu qu'il y avait les joints spiky fuyés, il avait foutu du... il avait foutu un bout de chiffon et tout dans les entre le cache poussière et le spice, gros dégueulasse, là. Ouais. Bon, on fait sauter le circlips aussi. Bah moi non plus. Hein. Ouais, mais il en raconte. Hein. Et après, pour désassembler, on tire un coup sec. Voilà. Bah franchement... À mon avis, on risque de rigoler, quoi. Bah, mais je m'arrête, mais vite fait, c'est tout, quoi. Bon, bah, vas-y, à tout à l'heure. Bon, quand on en est là, défaite, un bac de friction. Regardez le traitement, hein, s'il est pas rogné. Si vous avez plus de traitement de gris, elles sont esquintées, faut les changer. Donc... L'autre bague ici, pas en super état. Voilà. La rondelle, pour pouvoir appuyer le total. Le spi, qui est en mauvais état. Le clips, pour retenir le spi. Et le cache poussière. Bon, maintenant qu'on en est là, et même le torique, quand vous avez un torique, c'est pour regarder jusqu'où la fourche descend, si elle descend assez basse ou pas. Donc oui, quand vous en êtes là, hein, et ben on est bon pour se faire un gros nettoyage là. Allez, feu. Nettoyage, hein, un dégraissant, comme vous le connaissez, hein, nettoyant frein, nettoyant suspension, si vraiment... Faites ça bien. Donc pour ma part, je nettoie en frein. C'est pas trop cher. Si vous connaissez, il y en a l'autre jour qui me disait ouais, mais tu vides des bombes comme un gros cochon. Pourquoi? Bah alors parce que j'ai vraiment des très très bons prix sur ces bombes là. Et regarde, c'est des bombes comme ça là, nettoyant frein de Altesis. Là, tu vas dans un Laurent Auto distribution machin, ils les font là par boîte de, je sais plus, ces boîtes de par carton de 10.
si je dis pas de bêtises, hein. Enfin, tu sais, tu demandes un carton quoi, de bombe et tout, et du coup, te font un gros prix là-dessus. Et puis même moi, vu que, voilà, vu que je les connais très bien, je les ai au prix coûtant, quoi. Mais bon, voilà, ça permet de nettoyer toutes les pièces d'un peu tout, et c'est bien efficace, hein. Franchement, c'est sympa. Donc aussi, ouais, c'était mon pote Patrick là qui fait ça, là, SPS suspension là. On ira faire un truc là chez lui, une visite et tout, puis vous verrez une préparation de suspate, comment ça se fait, parce que là il y a plein de petites rondelles pour les empilages et tout, hein, fonction du poids, de ce que vous cherchez, etc., etc. Donc je pense que ça pourrait vous intéresser, que ça pourrait être sympa. Puis ça changera parce que. Si vous voulez que je vous parle un peu franchement, il y en a deux, trois là de ma région, je sais pas. Je fais ça, ils font ça, je fais ça, ils font ça. Donc je vais faire des trucs que tu pourras pas faire, mon pote. Tu vois? J'ai laissé le. Après, je m'en fous en fait. Je rage pas parce qu'ils le font. Je m'en fous, moi, qu'on soit plusieurs à le faire. Mais ce qu'il y a, c'est que ça perd l'originalité. Donc, moi, je vais vous laisser faire ces trucs-là. Ok, pas de problème. Par contre, moi, je vais me mettre à faire des choses, vous ne pourrez pas les faire. Voilà, ça c'est, je suis sûr de moi, que je vous ai vu faire et compagnie, je sais de quoi. Voilà, vous les ferez pas, ça c'est clair et net. Du coup, moi j'aime bien, je sais pas, je prime pas l'originalité, mais c'est quand même sympa quand voilà, quand il n'y a pas beaucoup de personnes, quand quelqu'un vient sur votre chaîne, qui se retrouve et qu'il aime bien votre chaîne, parce que justement, vous avez un contenu où il n'y a pas beaucoup de monde qui le propose, quoi. Donc après, les contenus mécaniques, hein, c'est pas moi qui les ai inventés. C'est pas moi qui les ai inventés. Les tutos fourches, il y en a partout. C'est pour ça que j'ai pas fait tuto, que je mets juste dans la partie restauration. C'est pas vraiment une grosse restauration, mais on va dire une petite remise. Remise en forme quoi de la Jean-Martine. Bah donc voilà. Donc après, j'aime pas question de dire hein, s'ils se reconnaissent, s'ils se reconnaissent pas ou s'ils se reconnaissent. Je m'en fous complètement. C'est pas trop. Hein, je m'en fous en fait. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut sur YouTube. C'est pour ça que ça existe d'ailleurs. C'est pas mon père YouTube.